What's up les boys, c'est Redjaken, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, même si aujourd'hui, voilà, je me sens dans l'obligation de vous faire cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit oui, tout ce que je fais c'est pour le buzz, c'est du mytho, c'est ci, c'est là, mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, je dois vous parler avec le cœur. Là, je me sens pas super bien. Bon, c'est vrai que ce qui s'est passé en même temps à Paris, pour ceux qui ne sont pas au courant, les différents attentats, les explosions, les plus de 40 morts aux alentours du Stade de France, j'étais comme tout le monde en train de regarder le match de foot pendant qu'on a entendu le flash spécial sur TF1. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas le youtubeur, c'est pas Redjaken, c'est pas celui qui parle, celui qui commente les vidéos, même si je vais essayer quand même de commenter avec le sourire aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui vous parle avec le cœur, quelqu'un, un adolescent de 17 ans qui vous parle avec le cœur, tout simplement. Aujourd'hui, je sens que c'est, entre guillemets, une déclaration qu'on a voulu faire à la France, qu'on a voulu faire aux Français, c'est-à-dire que c'est la guerre et qu'on ne sera jamais en sécurité tant que les terroristes seront présents. Et ils y seront toujours présents, donc va falloir vivre avec. En gros, c'est ça qu'ils ont essayé de nous faire, mais il faut se mobiliser. Je pense qu'on peut pas se laisser abattre comme ça, parce que moi, en tout cas, vous voyez, j'ai 17 ans. Comme j'ai pu le dire au début de vidéo et comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes. Mais je me vois mal en train de construire une vie, construire une famille dans un pays qui est en guerre. Donc, si on veut éviter ça, vaut mieux se serrer les coudes et surtout empêcher à nos proches d'être en danger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est du racisme, etc. Mais je pense que le racisme va commencer à monter de plus en plus. Peut-être pas à ma génération, moi personnellement je suis pas raciste, je le serai pas. Mais qui sait, un enfant de 10 ans qui était au Stade de France et qui a dû, voilà, rentrer sur le terrain parce qu'on avait tué des gens dans un restaurant, etc. Plus tard, les générations là qui ont 10, 11 ans maintenant, plus tard on ne sait pas comment ils vont devenir. Peut-être que ça va être des personnes qui vont haïr tout le monde, et au final ça va pas très bien parce que la France, elle va se retrouver dans un cercle sans fin. Pardon, j'en perds mes mots. Voilà, je sais que j'avais pas trop le sourire, j'essayais quand même de le donner au début de vidéo. Ça a peut-être dû vous surprendre vu la façon dont j'ai commenté cette vidéo. En tout cas, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu, pour partager votre ressenti dans l'espace commentaire, et sur ce je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.